Eh bien, bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session de stream sur Microsoft Flight Simulator. C'est Monsieur Tsuya, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une petite session matinale. J'aurais voulu commencer plus tôt, malheureusement, je n'ai pas pu. On va quand même s'amuser, on va faire des défis, on va faire un petit peu de vol, exploration, ce genre de choses, etc., etc. Bref, on est parti sur Microsoft Flight Simulator. Je mets en place le setup et on est parti. Voilà, je fais ça un peu à l'arrache, mais j'avais pas trop le choix que ça. Ok, je prends mes notes au cas où. Je vérifie que vous m'entendez bien. Allez, on met tout ça en place. J'arrive, j'arrive, hein. Le temps de tout bien mettre en place. Hop, voilà, c'est bon. J'ai tout sous les yeux, c'est nickel. Allez, let's go. C'est normal que j'entends. Pourquoi j'entends pas le jeu? Ok, j'entends pas le jeu. Comment ça se fait? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Attendez, j'essaie de régler ça. J'ai plus de son. J'ai l'image, mais j'ai pas le son. Comment ça se fait? Vous en... Non, mais c'est pareil de votre côté, vous n'entendez pas le son. Très étrange. C'est moi qui l'ai viré? Ah oui, d'accord, je l'ai viré tout simplement. Ok, je sais pas pourquoi j'avais viré le son, je ne sais plus pourquoi. Ah, pour des problèmes de droit d'auteur. Ouais, ok. Ça y est, ça m'en revient. Eh oui, parce que j'avais fait les défis Top Gun et les défis Dune et Twitch et YouTube n'avaient pas apprécié. Parce qu'il y avait les musiques des films. Donc, bon, bref, c'est un petit détail. Ok, bon, je vais, tant pis, j'enlève la musique, c'est pas grave. Hop. Voilà, allez, je mets en place tout ça. Hop. Ok. Ok, c'est bon pour moi. Et vous me recevez correctement. Donc, c'est nickel. Voilà, bienvenue à tous. Un petit problème là sur Twitch. Sur Twitch, il y a toujours des problèmes. Hein. On est habitué. Ouais, je vois des petits soucis. Il y a un petit souci de repérage au niveau des subs et tout ça. Bon, c'est pas très grave, on va faire avec. Je sais pas pourquoi ça déconne. Ok. Ok. Voilà, ça devrait marcher là. Ça devrait marcher. Je vérifie tout ça. Voilà, c'est bon. Ça a été mis à jour. Ok. Allez, let's go. Donc, alors ce que j'ai envie de faire ce matin, on va commencer par ça. On va commencer justement par Bull's Eyes Landing. Puisque la dernière fois, on avait fait du Top Gun. Et on n'avait pas eu le temps de faire ce défi que j'étais, pour lequel j'étais en cours de téléchargement. Donc, on va s'amuser avec ça. Ça va être, à mon avis, très drôle. Ok, je vérifie le reste. Qu'est-ce que j'ai au niveau des... Ouais, j'ai bien le défi d'une, ok. Je regarde s'il y a des nouveautés, hein, mais bon, je pense pas. J'ai pas fait ça. Tiens, c'est bizarre, ça. Faudra qu'on le fasse, hein, sur le décollage atterrissage, sur le F-18. Surtout le décollage, post-combustion, retour maintenant et vol en altitude. Comment ça, c'est que j'ai pas fait ça? C'est bizarre. J'ai fait le reste et j'ai pas fait ça. Bon, bref. Ok. Et ensuite, alors j'ai pas celui-ci ici, je l'avais déjà fait. Je m'étais d'ailleurs classé modestement. Voilà, avec 780, 779 000 points. Ok, on essaiera de voir si on a le temps de faire un petit peu de défi là-dessus. Mais ce que je veux surtout, c'est celui-ci. Voilà. Le Bull's Eyes Landing. Donc, l'objectif, c'est d'atterrir le plus près possible du centre de l'hélisurf au sommet de Burj Al Arab, ici, la grande tour. On a une petite plateforme qui est censée être normalement pour les hélicoptères. Et nous, on va s'amuser à le faire avec un petit Cub Crafter, un X-Cub. Ça va être drôle, je pense.
Donc elle est située à une altitude de 222 mètres au-dessus du niveau de la mer et on y enregistre un vent continu d'une vitesse de 7 nœuds en provenance de donc du cap 033. Ok. L'avion est équipé d'une petite quantité de nitro, incroyable, incroyable, je savais même pas que ça se faisait. Pour vous fournir un petit boost de puissance en cas de besoin, bah, j'imagine qu'au décollage, ouais, ça risque de servir. Même si on a un appareil qui est prévu hein, pour faire du l'atterrissage de brousse ou décollage de brousse, c'est-à-dire atterrissage et décollage sur une très petite distance. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, évidemment, je n'ai pas du tout, voilà, une position est à zéro, forcément, j'en ai pas faite. Ok. Bon, on va essayer de faire ça. Je ne connais pas. Enfin, je connais un petit peu l'appareil, je l'ai pratiqué un petit peu, mais voilà, bon, je pense que pour faire ce qu'on a à faire, pas besoin de connaître l'appareil à fond. Donc on est parti pour essayer de marquer son empreinte sur ce défi Red Bull. Je vois pas comment... enfin, ça va être drôle. Je pense que ça va être très drôle. C'est un peu un défi à la dune, hein. Avec l'ornithoptère. Ça va être un petit peu le délire, j'ai l'impression. Voilà, je check bien mes commandes. Alors, hop. Voilà, le temps que ça charge, ok. C'est parfait, je suis prêt à voler. Écoutez, allons-y. Oh la vache. Je sens que ça va être très drôle. Allez, let's go. Allez, déjà, on va faire une première vue cockpit. Je suis pas dans le bon sens, on est d'accord. Hein. En plus, il faut faire le tour. Bon, en même temps, c'est pas plus mal, ça va permettre de casser la vitesse. Il y a un truc qu'il faut que je fasse. Laissez-moi 2 petites secondes. Il y a un truc qu'il faut que je fasse absolument. C'est brancher le trachier. Parce que sinon je vais galérer. Voyons voir le trachier. Hop, laissez-moi le temps de trouver ça. Enfin de le brancher tout simplement. Hop. Alors. J'espère que ça va fonctionner alors que je suis en jeu. Normalement oui, hein, ça pose pas de problème en général. Ok. Voilà, je mets ça en place. C'est important. Ah, j'aurais voulu pouvoir mettre tout ça en place avant, mais j'ai pas eu le temps. J'avais des impératifs IRL. Voilà, alors. Hop. Allumage caméra. Ça capture. J'active le trachier. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, alors voyons voir maintenant en jeu. Est-ce que ça fonctionne aussi en jeu? Ok. Allez, attention. C'est parti. Est-ce que ça fonctionne en jeu? Oui, impeccable. C'est quoi ça? Levier pour les voler? Attendez, j'ai pas une touche déjà? Si. J'ai ma touche ici pour sortir entre les volets. Éventuellement, je sais pas s'il y a un spoiler sur ces. Un aérofrein sur cet appareil, je suis pas sûr. Il y a un train d'atterrissage ici. Ok. Parfait. Normalement, j'ai pas besoin d'autre chose. Ok, donc si je fais ça, ça les active. Ok, nickel. On va faire déjà un petit tour. Hein. On va faire un petit tour déjà que je me familiarise avec l'appareil. Donc il n'y a pas à gérer les trains hein, sur cet appareil. Ok. Allez. Donc peu importe le sens d'atterrissage, l'essentiel c'est de se poser sur la plateforme, je pense.
que je la retrouve, voilà. Hop. Oh, comment voulez-vous qu'on se pose là-dessus, sans déconner? Je veux bien, mais quand même. Non, mais c'est super chaud, quoi. Comment voulez-vous qu'on fasse? Faut qu'on se pose là-dessus, quoi. Ok. Bon, déjà, je vais essayer de le prendre en longeant la côte, là. Voilà, on va faire demi-tour. Oh la vache, c'est super chaud, hein. Quelqu'un l'a déjà fait, ce genre de défi, là? N'hésitez pas à me dire votre score en commentaire sur le replay. Hein. N'hésitez pas à me dire. Replay YouTube. Je mets mes replays sur ma chaîne YouTube. Point exclamation YouTube en description. En chat. En commande, pardon, j'y avais. Ok. Allez. C'est quoi? Même à vitesse réduite, on va super vite. Hein. Ah, puis j'ai pas la touche de nitro. Faudra que je la commande. Faudra que je la. Oh la vache, ah oui, non, en longeant la côte, c'est pas bon en fait. Faut vraiment que j'aille. Donc, est-ouest. J'imagine que là, c'est le lever de soleil. Donc, est-ouest, ça doit être l'est ici. Face au vent, bien sûr, Zark, comment vas-tu? Content de te voir. Pff, la vache! En arrivant en cloche, ouais, tu l'as déjà essayé, Zark? Je vois que t'es un expert. Bon, faire la cloche en général, c'est pas un problème, je sais faire. Oh punaise. Non mais. En plus, le comble du comble, c'est que. T'as pas le droit à l'erreur, quoi. Tu te plantes, tu peux même pas redécoller. Parce que t'as les deux barres là, latérales. Ok, je coupe. Je réduis les gaz au minimum. Je vois pas comment on va pouvoir faire. Surtout là en vue cockpit. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? T'as jamais essayé? Ok. Coupe maintenant. Ok. Wow, je suis passé à travers. Incroyable, je sais pas comment j'ai fait. J'ai pas cassé les trains. Non. Difficile de savoir. Non, j'ai pas cassé les trains. Bon, on va essayer en vue externe pour voir. J'ai réussi à faire un toucher quand même. Hein. Je suis à la limite du décrochage. Hein. Bon, avec cette approche, il y a moyen, mais alors faut passer entre les barres, enfin les coins. Comment ça s'appelle? Oh, j'ai pas vu le yacht en dessous là. C'est magnifique ici. C'est magnifique. Magnifique. Où t'as le sens du vent? Alors en 0,33 et face au vent. Faut que je mette cap 0,33. Normalement face à l'ouest. J'étais bien positionné, le vent vient de la mer en fait. C'était indiqué comme ça dans le briefing. Ok. Allez, on retente. Comment tu fais pour t'arrêter? C'est ça quoi. Je vois pas comment tu fais pour t'arrêter. Faut mettre le frein de parc tout de suite en fait. Ah ouais, non, t'as raison, c'est pas le bon cap. Là, je suis en 316. Donc effectivement. Ah, mais comment tu fais pour le prendre de face? C'est pas possible. T'as les barres qui te gênent là. Je vois pas comment faire en fait. Je vois pas comment tu fais.
faut forcément venir d'en bas. Bah ouais, hein, c'est clair. Hein. Parce que sinon tu prends de la vitesse en atterrissant. Alors attendez, j'essaie de voir quel est le cap exact. Je m'oriente pour vraiment voir dans quel sens il faut arriver pour être face au vent, avoir un maximum de freinage. Non, puis il faut avoir suffisamment de. Enfin, faut tellement ne plus avoir de vitesse pour ne pas avoir à freiner que je vois pas comment on fait quoi. À 0,33, voilà, faut arriver comme ça, ok. D'accord, je vois. Faut arriver comme ça en fait. Donc légèrement face à la côte. 0,33 exactement, voilà, le vent vient de là. Le vent vient d'ici. Donc faut arriver comme ça. Bon, on va essayer, hein. Allez, on refait un tour. On a fait deux touchés. Bon, normalement, ils sont hyper maniables, hein, ces appareils. Mais quand même, quoi. Mais quand même. T'as tellement pas de. Enfin, je sais pas, pour arriver à. En fait, t'es en décrochage. Tu t'atterris en décrochage, c'est pas possible. Enfin, atterrir, on peut même pas dire qu'on atterrit, puisque. Techniquement, on n'est pas au sol. Faut trouver un nouveau terme. C'est ça que tu dis, j'aurais essayé de viser le milieu de l'immeuble et de cabrer au dernier moment. On va essayer de faire ça. Ah, j'avais pas vu le. Comment ça s'appelle là-bas? Le. Bon. La construction sur la mer là. En forme de palmier là. Ça porte un nom, je me souviens plus. Ça s'appelle les logements là qu'ils ont fait là ici. Palme Jumeirah, d'accord, je connais pas. Ok. Alors déjà je réduis ma vitesse. On va essayer d'arriver d'en bas. Il faudrait que j'arrive comme ça. Le vent il vient de là. Je peux pas réduire les gaz plus là, sinon je les coupe. Vous voyez le délire? Voilà, là je suis pile face au vent là. J'arrive comme ça. Là je suis en décrochage, attention. On met un poil de gaz, c'est en décrochage. Je décroche. J'ai pas pu. J'étais en décrochage. Bon, j'essaie de voir les limites de l'appareil. Extrêmement difficile à faire ce défi. Extrêmement difficile. Allez, on retente. Pour l'instant, c'est pas craché. Je tiens à le souligner. Pour l'instant, c'est pas craché. Donc, ouais, c'est. Techniquement, on va dire que c'est faisable, mais alors, faut être vraiment entre deux, quoi. Entre un peu de vitesse et la limite du décrochage, vraiment. C'était l'idée, mais apparemment, bien plus au dernier moment. Ouais, ok. Je vois le délire. Poêle de gaz. Hop. Je vais essayer en arrivant plus vite, mais d'en bas. D'accord. Ouais, je vois. Je vais essayer de me mettre à la limite du décrochage. Hop.
En plus, niveau altitude, ils ont dit 220 mètres. Donc ça fait combien en pied là? Parce que moi je suis en pied là. Ouais, que je sois sûr d'arriver, enfin bref, d'avoir une idée vraiment précise de l'altitude. Ouais, je réduis les gaz au maximum. Je suis bien face là, pas de soucis. Hop, je relève et je coupe. Ah! 100. Ah! Zut, je me suis crashé. Ah, j'étais à deux doigts. Ah, d'accord. En fait, c'est ça l'idée. J'ai coupé les gaz un peu trop tôt. Mais c'est vraiment ça l'idée. Ah, oh, c'est génial. Ah, c'est excellent. On continue. Ah, c'est trop bien. C'est un peu comme quand on pose le SU-25T sur un porte-avions. C'est un peu l'idée, ouais, c'est ça, Zark. Ok, je vois le délire. Waouh, la vache, c'est chaud. Et fais voir un petit peu les défis mondiaux là. 0 cm, c'est quoi ça? 1 cm? Comment c'est réglé? 0 cm, techniquement c'est pas possible. Bon, c'est encore des tricheurs là. Bref, donc je peux pas vraiment savoir. 6, 0, 1 cm. À quoi ça correspond? Je dois faire quoi exactement? Intéresser? Le plus près possible du centre. Ah, le centre. En plus, faut viser le centre. Comme une fléchette. En plus, faut viser le centre. Laisse tomber. Ça fait 738 pieds. Merci, Zark. Ok. 222 mètres, ça fait 728, 738 pieds. D'accord. Ok. Bon. Allez, on y retourne. Ouais, donc techniquement là on arrive en fait dans le sens où il faut arriver, enfin on nous positionne dans le bon sens. Je suis à 738 pieds maximum. J'arrive beaucoup trop vite. Voilà, je suis en dessous les 738. Hop, je vais reprendre l'altitude sans reprendre de gaz. Voilà, je remets un petit poil de gaz. Ok, limite décrochage. Limite décrochage. Ah, j'y arrive pas! Ah putain, je vais me prendre là. Ok, j'y arrive pas. Ah, j'étais pas loin. Je suis un peu trop en dessous. Un petit peu trop en dessous. Bon, il y a moyen de le faire, ce défi. Il y a moyen de le faire. On arrive tellement pas vite. C'est vrai qu'il a une vitesse tellement. Enfin, il a une énorme voilure. Donc, il a une vitesse de planage qui est très très basse. Hein. 40 nœuds, c'est vraiment très très bas. Allez, on va descendre. C'est de se positionner, ralenti, parce qu'il faut descendre. Ah, j'étais pas loin. Hein. Le défi qui fait transpirer. Donc c'est un défi réel, ça? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que ça a vraiment été déjà tenté par Red Bull, justement? C'est un vrai défi. Ok. On peut pas s'arrêter, c'est pas possible. Comment tu fais pour t'arrêter? T'as trop de vitesse, enfin, je sais pas. Bon, faut vraiment. Là, j'ai essayé d'arriver par le dessus, enfin légèrement par le dessus, donc c'est apparemment pas la bonne approche. Faut vraiment passer par-dessous comme j'ai fait depuis le début. Mais alors, on est toujours à la limite du décrochage, c'est chaud. 500. Ok.
Je fais ça en vue externe, parce que tout à l'heure on a essayé en vue externe, en vue intérieure, c'est juste enfin, impossible quoi. Allez, je vais reprendre. Alors, voilà, j'ai perdu l'attitude exprès. Hop, histoire de pouvoir remonter sans prendre de vitesse. C'est le but de la manœuvre. Juste avec ce qu'il faut de gaz pour ne pas décrocher. Oh, l'endroit est magnifique. L'endroit est absolument magnifique. Voilà. Là, je vais remonter tranquillement à 738 pieds. À la limite du décrochage, je vérifie. Et en bas à gauche, il ne faut pas que je rentre dans le rouge. Je rentre dans le rouge, je remets des gaz. Hop. Mais pas trop. Le but vraiment c'est de pas du tout prendre de vitesse, mais même en étant en vitesse de décrochage au moment de l'atterrissage, je suis pas sûr que ça suffise à freiner l'appareil. Allez, fais la cloche. Maintenant. 500. Oh, j'ai touché le bord, j'y arrive pas. Hein. C'est super dur. Hein. Bon, on s'est pas crashé, c'est le principal. Oh, j'ai encore trop d'énergie hein, quand j'arrive. Hein. On a vu qu'en arrivant par le dessous, bah, la grosse difficulté, c'est d'arriver à remonter suffisamment sans décrocher. À chaque fois, je décrochais. La gestion des gaz, mais elle se fait de manière extrêmement fine. C'est super délicat. Zark, tu me dis, tu te rappelles pas la manœuvre d'intro dans Minway? Non, je m'en souviens pas du tout. Il y avait ce genre de défi. Je m'en souviens pas. Allez, on y retourne. Ok. Et c'est extrêmement difficile. Et vraiment extrêmement difficile. C'est le défi ultime. Sincèrement, je me situe en dessous des 700 pieds. Il faudrait que je sois entre 700 et 738 pour juste avoir de quoi relever le nez. On met un petit poil de gaz là, sinon je ne vais jamais y arriver. Là, je suis pile en face. 720 pieds, 730. Voilà, vache, c'est chaud. Alors, je me concentre, je dirai le chat après. Bienvenue à ceux qui arrivent. Je sais pas comment ils font, ceux qui font 0 cm, c'est pas possible. Ils se posent comme un hélicoptère, quoi. Avec cet appareil, comment ils font? C'est pas possible. Techniquement, je vois pas trop comment faut faire. Voilà, là, je suis arrivé à la limite du décrochage, je peux pas faire mieux. Hop, je coupe les gaz, je relève le nez. Et non, je suis encore trop loin. Ah, oh, j'ai pas touché. Ah, oh, j'ai même pas touché, je suis dégoûté. Putain, mais c'est trop difficile. Et salut, Night Dead. Vaut mieux pas le faire avec les flaps, le défi. Ben, ah, je les ai pas mis. Ah oui, d'accord, ok. Oui, t'as raison, c'est mieux. Je les avais mis tout à l'heure, mais c'est vrai que comme je me suis crashé, j'ai pas pensé à les remettre. Ça a été vraiment réalisé en vrai? Tu me dis, Night Dead? Oh la vache, je sais pas comment ils ont fait les mecs. Bon, attends, on va reprendre un petit peu de distance. Mais oui, si je mets pas les flaps, forcément ça marchera moins bien. On est d'accord, les gars. Merci de l'avoir remarqué.
Ouais, j'y arrivais mieux au début parce que je les avais mis forcément. Mais là, comme je suis crashé, ça l'a remis à zéro. Et j'ai pas du tout vérifié. Pourtant, je le vois l'appareil, mais j'ai pas fait gaffe que j'avais pas les flaps. Ouais, sans. Évidemment, sans les flaps, ça peut pas marcher. Le frein est tellement fort que tu peux atterrir et rouler un peu et non essayer de tomber comme une pierre. D'accord, mais le frein, c'est-à-dire, tu mets carrément le frein de parking? On va essayer, hein. Ouais, le frein de parking directement. Ok les gars, ça marche. On va essayer. J'ai paramétré une touche exprès, donc c'est pas compliqué. Allez. Alors, faut juste que je me mette légèrement de biais pour pas taper la barre, que ce soit à l'arrivée comme à la sortie si je veux ressortir. Et on va mettre les flaps. Allez, c'est parti. Hop. Flaps à fond. Il y a trois positions. Hein. Voilà. Là, je mets les flaps à fond. Hop. Je regarde un petit peu si ça descend la. Non, ça descend pas la vitesse de décrochage, hein, de toute façon. Ah, si, mine de rien. Je suis dans le rouge là. Je suis dans le rouge et effectivement, avec les flaps là, j'ai un peu plus de portance. Ça devrait faire la différence. Allez, on y croit. Je suis encore un peu trop au-dessus. Ouais, forcément, faut que j'essaie de rouler. Ouais. Donc, faut vraiment aborder l'hélipad au début, quoi. Ok. Donc là, effectivement, j'aurais normalement dû décrocher depuis longtemps. Voilà, là, je décroche. Ok. Je remets du gaz. Pas, je décroche. Punaise, ça suffit pas, j'y arrive pas. Il est excellent à piloter cet appareil. C'est le X-Cub, hein, tout simplement. Excellent à piloter. Bon, j'y étais presque, je vois à peu près le délire. Je peux pas les mettre plus à fond là, il n'y a que 3 crans de volée. Ah, il n'y a que 3 crans de volée, ok. Ah, j'y suis presque. Ouais. Mais tout à l'heure aussi, hein, j'étais presque. Hein. Alors par contre, ma commande de flaps, je peux pas les enlever. Du coup, je galère un peu là, je suis désolé, mais faut que je le fasse depuis le cockpit. Parce que je sais pas pourquoi. Sur cet appareil, c'est pas. Comment dire, on peut pas les virer. La commande, c'est où tu les mets. Voilà, du coup, je décroche. Là, je suis à fond. J'aurais voulu les enlever pour pouvoir refaire le tour, mais c'est pas possible. Du coup, je suis obligé de me mettre à fond au niveau des gaz. C'est pas normal que ça m'indique pas les. Je suis à plus de 40 nœuds, là, c'est pas possible. Bizarre. Ah, si. Ah, d'accord. Non, non, j'étais en dessous. Oh la vache, j'étais en dessous les 30. Ok. Allez, on va essayer d'arriver le plus possible en cloche. Hop, donc on va passer sous la barre des 700 pieds. Hop, je descends. Vas-y, descends, 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 descends. Oui, je vais à la vitesse, il n'y a pas de souci. C'est juste que comme ça ne bougeait plus, je pensais que j'étais quand même au-dessus des 30 nœuds, et visiblement non. Ok. Allez, là c'est la bonne. On y croit. Maintenant tu coupes tout. Ah, je suis trop court. Ah, oh, je suis deg. Ah, oh, je suis trop court.
J'ai coupé trop tôt, mais c'est l'idée, hein. C'est vraiment l'idée. Faut arriver vraiment en planant jusqu'avec avec les volets, seulement avec les volets. Ouh, ouais. Oh, c'est super chaud, mais super intéressant. Évidemment, on poursuit, hein. Je veux au moins arriver à faire un posé. Coupe quand tu touches, à mon avis. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai coupé trop tôt, on est d'accord, Nighthead. Ok. Ah, c'est excellent. Excellent à faire ce défi. C'est quoi vos scores, les gars? Vous avez déjà tenté? Donc là, hop, je remets l'écran de volée. Trois crans de volée, voilà. On descend en dessous les 700. Pas encore essayé, mais je vais le faire après. Ok, d'accord. Là, c'est addictif, hein. C'est addictif, je vous promets. C'est le genre de défi qu'on a vraiment envie de réussir. Voilà, je pense que les 700, on va remonter légèrement. Il faut jauger les gaz, mais pas trop. T'es un peu bas là. Remonte, t'es un poil bas. On va réussir à remonter. Il hein. Faudrait que j'arrive à virer les volets, mais j'ai pas la commande. Il faut que je fasse depuis le cockpit. Ouais. C'est pas bon ça. Je suis pas en face. Là, je suis trop haut du coup. Oh, ça freine pas du tout, hein. Ça freine absolument pas. Oh la vache, j'ai absolument pas freiné. En fait, si on n'arrive pas en cloche, c'est pas la peine. Si on n'arrive pas, il faut arriver par le dessous de la plateforme. Si là j'ai essayé par le dessus, mais on a trop d'énergie en fait en arrivant. On a beaucoup trop d'énergie. Bon, j'ai réussi à toucher, c'est déjà ça. J'avais pas fait attention, mais on vole avec très très peu de carburant, donc j'ai pas beaucoup d'essai, je pense. Évidemment, pour être le plus léger possible, on a très peu de carburant. C'est sans doute l'un des défis les plus difficiles que j'ai pu faire. Enfin, j'ai fait tous les autres hein, qui sont proposés. Et vraiment, c'est le plus difficile. Hein. Même le pilotage de l'ornithoptère dans le défi de Dune, c'est plus simple. Allez, vas-y, descends. Hop. Il n'y a qu'un seul pilote qui a réussi ce défi en vrai, c'est pas possible. Non! Oh, j'étais presque! Oh, j'étais presque! Oh, c'est dommage! Allez, je tente une dernière fois. Ah, j'y étais vraiment presque. Franchement, j'ai coupé les gaz encore une demi-seconde trop tôt. Ah, ça aurait pu être bon. Hein. Ah, il est excellent ce défi à faire. Excellent à faire. Ah ouais, dommage là. Allez, je mets trois crans de volée. Hop. Oh, c'était pas loin là.
Allez, on descend. En fait, il faut arriver légèrement au-dessus des 738 pieds, altitude à laquelle se trouve la plateforme, légèrement au-dessus, descendre juste avant et remonter avec le peu d'énergie qui nous reste. Je pense que c'est ça, là, vraiment l'idée. Donc là, je suis trop bas. On remonte. Évidemment, avec trois crans de voilier, j'arrive pas à remonter. Je vais faire que ça là, je vais faire le yo-yo. Ouais, forcément. Je suis au-dessus là, hop, voilà. Là, je me place en dessous. Je sais, je suis à la limite du décrochage, c'est ce que je cherche à faire. Maintenant, tu coupes. Mets les freins. Ah non, ça n'a pas suffi. Oh la vache, c'est trop dur. Ah, j'arrive à toucher quand même. Hein. J'arrive à toucher. Il faudrait qu'on marque des points juste en touchant, quoi. Parce que là, c'est frustrant. Là. On nous dit qu'on n'a marqué aucun point, alors que quand même, quoi, on touche. Mine de rien, on touche. Et déjà, rien que de toucher, c'est chaud. Ouais, j'essaie de remonter un peu. Allez, c'est bon, hop, virage. On va essayer de bien se poser. Il faut vraiment arriver avec un filet de gaz, même pas quoi. Enfin, c'est vraiment très limite. Et puis voilà, avec un minimum. Enfin, faut être en décrochage quoi. On n'a pas le choix, faut être en décrochage. Si t'es pas en décrochage, je pense pas que tu arrives à te poser. Voilà, faut jouer avec le décrochage. Hop. Voilà, reprendre un poil d'énergie avant d'arriver. Hop. Voilà. Là, je suis en position de décrochage. Maintenant, tu coupes. 500. Oh, mais les freins, ils marchent pas. Hein. 500. Là, j'y étais, là. Sans déconner, j'y étais. Ça donne trop envie de réussir le défi, quoi. Là, j'avais la bonne approche. Hein. Sans déconner, j'avais la bonne approche. C'est vraiment mes freins qui n'ont pas fonctionné. 500. En tout cas, ça n'a pas été assez fort. Allez, on va remonter. On va prendre l'altitude. Oh, c'était bon. Allez, remonte à 700 pieds. Mais bon, avec 30 ans de voler, c'est pas facile. Faut que je puisse les virer, mais ça marche pas. Alors, faut que je le fasse depuis le cockpit. Voilà. Allez. Hop. On fait la manœuvre et on recommence. Ok. Allez, dernière tentative. Après, on passe à autre chose.
Si tu commences à descendre en dessous des 738, oh la vache, j'y arrive pas, j'avais mis les freins pourtant. Oh, je suis passé à travers le bâtiment, on n'a rien vu. Oh, j'étais pas loin. Et là les freins, ils ont dû sortir, hein. Ils ont dû marcher je pense. Je vais quand même vérifier, j'ai un doute. Attendez, laissez-moi vérifier. Mais je pense que normalement je les ai bien mis, on est d'accord. Hein. Friend park. Bah, je les ai pas mis. Réglage, friend park. Bah ouais. Non, ça c'est les freins d'aile. Attendez. Frein droit. Ok. Normalement, si c'est celle-là, friend park. Si, ils sont bien actifs. Il n'y a pas de souci, ils sont bien actifs. Donc ça a freiné, mais j'avais encore trop d'énergie, du coup ça n'a pas marché. Wow, c'est tendu, hein. Y a moyen de voir s'ils sont bien actifs dans le cockpit. Attendez, je vérifie. Je repasse en du cockpit. Où est-ce qu'ils sont dans le cockpit, les freins? Que je vois ça. Ça va pas décrocher, il faut que je fasse plusieurs choses en même temps. Le frein de parc, c'est où? Ça, c'est le carburant. Ça doit être quelque part par là. Hein. Où est-ce qu'il est, le frein de parc? Ah, ici, non. Là, on a la nitro si on a besoin pour repartir. Là, je vois pas le frein de parking. C'est ça? Non, ça, c'est le mélange. Éclairage. Je peux faire de la fumée si je veux. Je vois pas mon frein de parking, il est où? Là, ici, on a les volets. Donc peut-être qu'on a le frein de parc de l'autre côté. Je vois pas où il est le frein de parking sur cet appareil pour voir s'il est actif ou pas. Je vois pas. Fouiller partout, je vois pas. Bon, je sais pas, je vois pas où il est. Donc, du coup, je peux pas vraiment savoir si il est actif ou pas. Voilà, faut que j'utilise mes deux commandes pour les freins de roue 1 et 2, roue gauche, droite. Là, l'arrêteur, attendez, je vérifie dans le cockpit. Normalement, j'ai ces deux là. Je sais pas, je vois rien au niveau de la pédale. Pas l'impression que ça marche. Hein. Pourtant, je dois l'avoir parce que là, si ça se trouve, si j'y arrive pas, c'est parce que j'arrive pas à freiner en fait. Donc, si je fais frein de roue, faudrait que ça marche déjà. Hop. Frein de roue. Un frein, déjà, il connaît pas. Frein de retard. Bon, j'ai pas le choix, faut que je cherche. Comment ça s'appelle? Frein gauche, frein droit. D'accord. Normalement, je les ai au clavier. Je vais voir si ça fonctionne au clavier. Non, ils sont pas indiqués. Ok, super. Je vais déjà essayer ça. Voir si ça fonctionne mieux. Frein gauche, frein droit. Voyons voir. Est-ce que je peux lancer la numérisation de cette touche-là? C'est déjà pris. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour. On va valider. C'est juste pour. Ça va pas avoir d'incidence. Donc, c'est pas très grave. Ok.
frein droit, hop, numérisation de cette touche, WX, ok. Ouais, c'est pas grave. Hop. J'espère que ça va. Ah, il a pas pris. Frein droit. Hop. Juste pour voir si je peux m'assurer, voilà, d'avoir vraiment des freins au moment de l'atterrissage. Je fais ça. Je fais ça à l'arrache. Mais voilà, c'est pour être sûr. Voilà, quand j'utilise les freins, normalement ça devrait marcher là. Ok. Ça fonctionne au moins au clavier. Allez, on se repositionne. Dernière tentative. Hein. Comme ça, je lâche ma poignée, ma manette de gaz et j'appuie à fond sur les freins. Ça devrait le faire. Voilà, je suis légèrement en dessous. Je vous promets, c'est pas simple. Hein. Maintenant, tu coupes tout. 500. Oh, dommage. Bon, les freins ont fonctionné. C'est pour ça que je me suis cassé le nez. Les freins ont bien fonctionné. C'est la vitesse max, on n'arrive pas avec assez d'énergie pour une fin en cloche. Il faut plonger plusieurs secondes avant de faire un arrondi qui se termine en remontant. C'est ce que j'avais fait les premières fois, hein, Zark. J'arrive mieux cette manœuvre que d'arriver par en dessous. Je suis d'accord. Mais c'est tendu. Hein. Pff, la vache, allez, je tente une dernière fois. J'avais plutôt la bonne approche là. Là, c'est extrêmement difficile. C'est évidemment, ouais, c'est clair que c'est le défi le plus difficile de tous les défis que ça propose, hein. Que le jeu propose. C'est vraiment le plus difficile. J'ai réussi à faire deux ou trois approches par en dessous, je devrais être capable de le refaire. Il ne faut pas être trop trop bas non plus, quoi. C'est ça qui est super difficile parce que avec trois crans de volée, là quoi, j'en ai mis deux, j'en mets un troisième. J'attends la sortie du 2024, bien sûr. Et puis quand 2024 sera sorti, tu diras j'attends celui de 2030. On connaît les arcs, on connaît. Voilà, je suis légèrement en dessous. Hop, lâche tout. Ah non! Ah non! J'ai coupé trop tôt. Oh punaise, je suis dégoûté. Oh punaise, ça se joue à rien, mais à rien du tout. Hein. Oh là là, je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver, je vais au moins réussir à faire un posé, quoi. Au moins une fois. D'ailleurs, vu la date de sortie, ils auraient dû l'appeler 2025. Ouais, tout à fait. Hein. Ouais, bah ça, on le savait déjà. Hein. On s'en doutait un poil. Hein. On s'en doutait, forcément. Allez. Hop, deux crans. Trois crans de volée. Essayer de se positionner légèrement en dessous. Ah, j'essaye vraiment différentes méthodes. Hein.
S'il y a des mecs qui arrivent à faire, ou des nanas d'ailleurs, qui arrivent à faire ça en vue cockpit, je leur tire mon chapeau. Parce que déjà en vue externe, j'ai trop de mal. On a essayé en vue cockpit tout à l'heure, en vue interne. C'est juste, tu n'as aucune visibilité, quoi. C'est, tu sais pas du tout où se trouve la plateforme. J'ai l'impression de piloter un P51, quoi. Allez, on remonte et coupe. Non, t'as coupé trop tôt. T'as coupé trop tôt. Oh! J'avais fait la cloche, mais beaucoup trop tôt. Oh, c'est trop difficile, quoi. Tu sais jamais à quel moment il faut couper les gaz. Enfin, les couper, les réduire au moins. Oh, c'est tendu, hein. Bon, mais je suis pas loin d'y arriver. On va. Je suis sûr que je vais réussir à faire un posé. C'est vraiment le genre de défi qu'il faut faire à la fin, hein. C'est clair. Hein. Quand on a fait tous les autres, hein. Sinon ça te dégoûte de faire les autres. Hein. Punaise. Ouais, faut avoir des repères extrêmement précis, je suis d'accord avec toi, Hazard. C'est clair. Si on veut y arriver, surtout en cockpit, évidemment. Il faut exactement savoir où situer la barre, enfin la barre d'immeuble, l'horizon, etc., etc. Sans ça, c'est juste impossible. Pour des contemplateurs comme nous, c'est chaud, c'est chiant. Ouais, non, mais c'est clair. J'imagine s'il y en a qui s'amusent à faire ça avec les compensateurs au trim. Oh la vache! Une approche au trim, vous imaginez les gars? Non! Oh non, mais non, punaise! Bon, franchement, il n'y a que comme ça que je pense y arriver. Pas par en dessous. En dessous, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Pour moi, c'est trop délicat parce que je sais jamais à quel moment il faut que je coupe les gaz. Par légèrement au-dessus, c'est déjà peut-être plus simple. Il faudrait qu'on voit le défi en vrai. Puisque apparemment, c'est un vrai défi qui a été réalisé par Red Bull. Organisé en tout cas par Red Bull. Donc, j'aimerais bien voir. Je sais pas si on peut retrouver les vidéos. Est-ce que ces moments-là existent? Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on peut voir la compétition? J'aimerais bien voir comment ils arrivent, les mecs. Est-ce qu'ils arrivent par au-dessus, par en dessous? Est-ce qu'il y a moyen de voir ce défi en vrai? Est-ce qu'il a été filmé? Est-ce qu'il est accessible quelque part? Ça vaudrait vraiment le coup de voir comment les pilotes y font en fait. Je vais continuer de descendre tranquillement. Gardant quand même un peu d'énergie. Puis là, faut avoir les pieds sur les freins. Au dernier moment, dès qu'on touche. J'ai réussi! Punaise, j'ai réussi!
Incroyable! Je savais que par-dessus j'y arriverais mieux. Oh, j'ai réussi! Incroyable! 943 cm, ok. Bon, j'ai pas le meilleur score, on est d'accord? Mais ceux qui arrivent pile dans sur le H, je sais pas comment ils font, hein. On trouve plusieurs vidéos, je regarde ça. Ok, ça marche, Zark. Oh punaise, j'ai réussi! Incroyable! Incroyable! Oh, le défi de fou! Oh, le défi de fou! Oh, je mets au défi de mettre ma communauté là sur ce défi-là, d'arriver à au moins arriver à se poser. Oh la vache quoi! Oh, c'est trop trop bien! Ah bah tu vois, sans même voir les vidéos. Ouais, tout à fait, mais tu vois, j'ai fait une approche par le dessus. J'y arrive un poil mieux parce que je vois ce que je vois, enfin je vois un petit peu mieux, je vois comment dire, où se trouve un peu mieux la plateforme. Oh, j'ai envie de recommencer. Non mais ceux qui font 1 cm quoi, c'est pas possible, ils trichent. C'est pas possible. Allez, je retente encore une fois, c'est trop addictif. Oh, finesse, ce défi de malade. Il s'est entraîné sur piste, sans blague. Ah ouais, non mais je m'en doute, hein. Bah oui, forcément, hein. Tu vas pas faire ça du premier coup en risquant ta vie à chaque fois, quoi. Évidemment, j'imagine, Zark. Ils ont dû avoir une cible sur une piste et... Bon, en tout cas, mes freins de parking fonctionnent bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, c'est bien en planant qu'on n'y arrive pas en cloche. Ouais, tout à fait. Hein. C'est ce qu'on va faire. Bah, j'ai essayé les deux approches et on voit que l'approche par le haut fonctionne un petit peu mieux. Après, c'est la gestion de la vitesse. Vraiment, c'est la gestion de la vitesse qui fait la différence. Et la perte d'altitude. Faut avoir une vitesse verticale vraiment très très basse. C'est sans doute ça le plus difficile. Hein. Voilà, je réduis mes gaz pour descendre en planant. J'essaie de garder la plateforme le plus possible centrée. Voilà, je décroche. Enfin, je décroche. Je le mets en vitesse de décrochage. J'avais encore trop d'énergie. Oh la vache, et je me suis posé quasiment au même endroit. Waouh, et je reste encore. Je vais essayer d'améliorer au moins une fois mon score. Et après, on passera à autre chose. Oh, mais c'est juste. Ah, c'est addictif. Franchement, c'est addictif. J'adore. Voilà. Il faut bien descendre progressivement. Donc à la limite, il y a moyen d'y arriver au trim. Hein. Il devrait y avoir moyen d'y arriver au trim. Hein. Il faut vraiment super bien connaître l'appareil pour pouvoir être aussi précis au trim. Hein. Et ça n'a pas l'air de quelque chose de finalement impossible. Non mais cet appareil de toute façon il a quand même des caractéristiques impressionnantes. Je me maintiens bien. J'ai pas trop d'énergie, j'ai du mal à rester droit. Parce que je compense en permanence. Maintenant tu coupes. Oh! J'étais pas assez plat. Mais j'arrive mieux à me poser là.
Chaque fois je touche, hein. Ah, faut que j'y arrive là. Oh, c'est génial. Franchement, c'est génial. Si je regarde ma position. Ouais, enfin 943 cm. Bref. Je suis pas quand même. Je suis pas si loin de pas y arriver quand même. Enfin, d'y arriver, je veux dire. Je t'ai choisi une vidéo de West France. Ok, ça marche. Merci Zark. Je vais essayer de vous la montrer. Je fais une dernière tentative et puis après on ira voir la vidéo. Pour voir à quoi ça ressemble en vrai. Ah, il est génial ce défi. Franchement, il est génial. Ah, c'est excellent. Ouais, tout est une question de vitesse, hein, c'est clair. Voilà, descend doucement, en planant, essaie de garder la plateforme au centre. J'adore comment c'est simulé, franchement. C'est trop bien. À 840, 820, j'arrive un poil trop vite. Vas-y, décroche. 500. Ah, j'avais trop d'énergie. 500. Bon, du coup, on refait un tour. Ah, la vache, c'est extrêmement jouissif. Je vous promets. Ok, ça marche, là. Je vais aller voir ça. Ah, c'est hallucinant. C'est le petit frisson qu'on a au moment où les roues touchent. Ah, c'est excellent, franchement c'est excellent. Génial ce défi. Il est vraiment génial. Par contre, faut quand même être bien plus à l'horizontale. Ouais, le problème, tu vois, c'est que je cherche mes touches de clavier. Bon, je coupe mes gaz, il faudrait que je trouve un autre moyen. Attendez, on va essayer de faire ça. Parce que c'est pour ça me fait pencher la tête pour trouver mes touches. Il faudrait que je puisse le faire à l'aveugle. Pour ça, il faut que je trouve un moyen. Parce que je suis sûr que voilà, sans ça, je vais avoir trop de mal à y arriver. Là, mes freins roue gauche et droite, c'est ça qu'il faut là. Il faut que je programme ça. Mais il faudrait que j'arrive à programmer ça sur le OTAS. La souris, non. J'essaie de voir si je peux faire autrement. Comment je peux faire pour activer le frein gauche et droit à partir de Otas? Qu'est-ce qui pourrait coller? Vu que ce sont deux boutons, il faut que j'appuie sur deux boutons en même temps. J'ai pas trop le choix. Parce que celui-ci n'a pas l'air de marcher. Donc il me faut les freins de roue. Voyons voir, je réfléchis. Où est-ce que je pourrais caler ça? Je vais voir si ça. Alors attendez, on va voir. J'essaie de voir si cette touche est reconnue. Oui, elle est reconnue. Ça, c'est trop bien. Donc du coup, je peux peut-être mettre sur les deux gâchettes. Attendez, faut que je recommence. Voilà, je valide. Ok. Et le frein gauche, pareil. Si je peux faire ça, ça va tout changer parce que je vais pouvoir garder l'horizon en fait, en visuel. Hein? Non, c'est pas ce que je veux qu'un seul bouton, moi. Voilà. Ok. Donc comme ça, j'ai les deux boutons. On est d'accord, je vérifie. Voilà, le 1 et le 6 qui correspondent à la gâchette, hein. Gâchette basse, gâchette haute. Et en faisant comme ça,
Tu as au moins un modificateur? Ouais, non, mais ouais, non, mais ça va pas marcher parce que c'est deux touches différentes. Non, non, en faisant comme ça, c'est bien. Je freine des deux. Donc faut pas que j'enfonce complètement le gauche, par contre. Faudra que je fasse attention à ça. Mais là, ça peut peut-être marcher. Voyons voir. Est-ce que j'ai plus de contrôle? Ça, je peux mettre mes freins avant même de toucher le sol. C'est un peu l'idée. Ça permettra de garder l'altitude et pas de pencher la tête pour que je trouve mes touches de clavier. Plane. Je suis beaucoup trop. Ouais, je suis trop. Ah, du coup, ça me fait taper l'aile. Bon, je vais essayer parce que là, je suis sûr que mes freins ils fonctionnent mieux là. Je suis sûr que ça peut bien marcher là. Ah, il y a moyen de taper le centre. Hein. Au moins pas dépasser. Je vais au moins essayer de viser le premier cercle. Ah, plantage. Super, j'ai fait planter le jeu. Il a planté, hein, on est d'accord. Ouais, je pense qu'il a planté. Hein. Répond plus. Mêlée, mêlée, on a perdu le jeu. Et flûte. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, il a craché. Ok, j'ai réussi à faire cracher le jeu quand même. Allez, je le redémarre. Elle est bonne celle-là. Comment ça se fait que je vais cracher le jeu? Bizarre ça. Bon bref, excellent ce défi. Hein. Franchement excellent. Et le fait de mettre mes. Moi, je suis sûr que ça va changer. Ça va tout changer d'arriver à mettre les freins de roue sur mes gâchettes. Comme ça me permet de garder bien le manche en main. Et de ne pas être obligé de le lâcher, ou en tout cas, de lâcher l'horizon du regard. Ça va probablement tout changer. On va bien mieux y arriver. Ok, bah vraiment c'est un défi super intéressant. Vraiment je vous le recommande. Mode normal, full sécurisé, voilà. Vraiment je vous le recommande. C'est vraiment difficile à faire. Qu'est-ce qu'il me fait avec la mise à jour? Ah il me redémarre tout du début. Ah si ça se trouve il y a une mise à jour, c'est pour ça que ça a planté. Ce serait la meilleure celle-là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, j'ai l'impression qu'il a planté à cause d'une mage. Ah non, c'est bon. Non, il lance le jeu. Ok, bizarre. Ok. Ouais, on va se faire la vidéo, t'as raison. Avant de lancer le jeu, on va se faire la vidéo. Bonne idée. Alors, donne-moi le lien. Où est-ce que tu me l'as mis? Hop, c'est bon, je l'ai. Parfait. On va aller vérifier ça. Alors, par contre, où est-ce que je vais vous poser ça? Faut que je règle. Attendez, de mon côté, il faut que je règle
La capture. Ah, où est-ce que je vais mettre ça ici? Hop. Là, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça capture? Oui, ça capture. Parfait. La manœuvre revient en tiers fin de la vidéo. D'accord. C'est plus simple si tu le mets en pipe, non? Pas forcément. Ça dépend d'où je capture. Ok. Bon, vous voyez bien là? Alors allons-y. Hop. Vais pas mettre trop fort. Ok. Vous voyez un petit peu? Juste le début. Alors attendez, on va essayer de. Voilà. Alors c'est lui là? C'est lui le pilote là qui a réussi? Tu m'étonnes qu'il faut avoir une bonne adhérence sous les pneus. Tu m'étonnes. Tu t'arrêtes à 4 mètres du bord. Ah la vache, ouais, j'imagine. La peur qu'il a dû avoir, quoi. Bon, allez, hop. Passons 200 mètres en 200 mètres. C'est intéressant ce qu'il dit, hein. Puis zéro, on freine. Bah, c'est exactement ce que je fais. Hein. C'est un polonais, d'accord. Oh, c'est génial. Sans déconner, c'est génial. Voyons voir. Là. Vue cockpit. La vue que vous ne verrez pas avec moi. Regardez, regardez où il touche les roues. Putain, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Comment il fait pour pas péter son hélice, quoi? Bon, il n'est pas sur le H, hein. Il n'est pas sur le H, hein. On aura noté, hein. Oh la vache! Non, mais c'est super difficile. Attendez, on recommence. La vache, c'est super dur! C'est super dur! Non, mais regardez-moi ça, quoi! Putain, faut en avoir des grosses comme des ballons de basket, hein. C'est pas possible. Hein. Oh la vache! Non mais vraiment, vous avez vu où il pose ses roues, quoi? C'est exactement ce que j'essaie de faire. Oh, c'est. Attends, on revoit encore une fois. Pour vraiment bien voir, je vais essayer de faire un arrêt sur image. Hop. Mais comment il fait? Il voit pas où il pose ses roues, je sais pas, c'est impossible, il peut pas voir où il pose ses roues. Regardez, hop, ses roues, elles touchent juste après la bande blanche, juste après. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Pas sûr que le centre soit la cible, mais la distance à la médiane. En tout cas, c'est comme ça que c'est calculé sur Microsoft Flight Simulator. Hein. C'est par rapport au centre de la piste, tu t'éloignes de tant de temps, de temps du, comment, de la piste, du centre de la piste. C'est ça qui détermine ton score. Donc vraiment, non, non, c'est. Mais c'est. Enfin, bah, je sais pas comment il fait, quoi. Regardez où il pose ses roues, quoi. Et surtout, je sais pas comment il fait pour freiner sans casser l'hélice, quoi. Parce qu'à freiner à mort, comme tu fais là, ton avion, il lève la queue, quoi. C'est obligé. Sur les côtés, il peut voir, mais en jeu, il faudrait la VR. Oui, il faudrait la VR pour vraiment se rendre compte. Ouais, tout à fait d'accord. Non, mais c'est dingue. Regardez le freinage, regardez, regardez. Vous avez vu la queue, comment elle a levé là? Non, mais c'est un truc de malade. Je sais pas comment tu fais, quoi. C'est. Comment tu fais? Enfin, une fois. Enfin, je sais pas, il a eu qu'un seul essai, j'imagine. Ouais, il a dû faire qu'un seul essai. Après, il s'est sans doute entraîné au sol. Hein. C'est peut-être ce qu'on voit d'ailleurs avant. Non? Non, on voit pas. Oh, je vais mettre les fumigènes, tiens. On va rigoler. Je vais mettre les fumigènes. Il compense en cabrant, j'imagine. Bah, même pas. Enfin, oui, il doit quoi? Il doit cabrer à mort. Ouais, tout à fait, Zark. Il doit sans doute cabrer à mort à l'intérieur. Mais voilà, quoi. Regardez, hop. Oh, la vache. L'hélice n'a pas touché, mais c'est au ras du sol, quoi. C'est vraiment au ras du sol. Oh, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh la vache, je sais pas comment tu fais pour. Enfin, en vrai, c'est hyper chaud, quoi. C'est hyper chaud. Regardez ça. Il est vraiment en descente, hein. Il est vraiment en descente, il est pas en cloche du tout. Oh punaise, incroyable, incroyable. Oh, ce défi de malade! Ah, c'est génial! Bon, on va essayer de faire pareil. Allez, je tente encore une fois. Hop!
Donc du coup, je vous mets dans le noir 2 secondes. Voilà, on repasse sur le jeu, c'est bon. Je te mets l'autre vidéo avec la piste. Ah oui, il s'entraîne sur la piste, ok. Allez, on essaye. Hop, je repasse sur le jeu. Voilà. Ok. Et on retente le défi. C'est addictif, c'est addictif. Tiens, je vais passer la session dessus, hein. C'est dingue, c'est dingue. C'est extrêmement addictif. Bon, vraiment, j'avais la bonne approche, hein. Faut vraiment que j'approche par le haut en descendant 200 mètres en 200 mètres, hein. C'est vraiment ce qu'il dit, hein. C'est comme ça qu'il a réussi, hein. Et c'est là qu'on voit la qualité de la simulation quand même, hein. La qualité de la simulation, elle est quand même énorme, la simu, hein. La prochaine fois que tu réussis, pense à redécoller. Bah oui, c'est vrai que j'ai de la nitro, hein. J'ai de la nitro, potentiellement. Allez. Regardez, on va mettre les fumigènes. Non, c'est où? C'est où les fumigènes? Je les ai vus tout à l'heure. Ah, je les ai vus tout à l'heure. C'était où? C'était là. Fumée. Hop. Voilà, on va mettre la fumée. Voilà, j'ai mis 3 crans de volée. Bon, ça va, ça fait pas laguer. J'avais peur que ça lague. Mais non, ça fait pas laguer. Donc c'est là toute l'astuce, c'est d'arriver à descendre, mais pas trop vite. Bon, quand on était en vue cockpit, malheureusement, on voyait pas ces instruments. J'aurais été curieux de voir quels étaient ses paramètres de vol. J'aurais bien voulu voir ses paramètres de vol. Hein. Ah, je suis trop en dessous. Je suis trop en dessous. Ah, je décroche. Ah, flûte! Ok. J'étais trop en dessous. J'étais trop en dessous. Je recommence. J'étais vraiment trop en dessous. Excellent ce défi, vraiment excellent. Là, j'ai voulu faire le kéké avec la fumée. Voilà, je remets de la fumée. Quoique non, parce que ça me gêne en fait. Je vais pas mettre la fumée. Ça me gêne en fait. Je mets un cran de volée, 2 crans, 3 crans. On va essayer de descendre doucement, en essayant de rester bien au-dessus. Un peu en face, voilà. Je descends tout doucement. Bon, par contre là il n'y a personne pour me filmer, c'est dommage. En vue externe, enfin en vue de côté, vue du sol, vue de drone. Ok, j'ai touché, mais pas où il fallait. Hyper addictif. Allez, je tente une dernière fois, puis après on va faire autre chose. Il y a plein de défis d'atterrissage à faire. C'est pas la peine. Je peux commencer à virer. Le repère, c'est la jetée là.
c'est que c'est à partir de là que je commence à tourner. Voilà, c'est bon. Ça va le faire. Alors évidemment, le vrai défi, c'est d'arriver à faire ça en vue cockpit, hein. Et là, c'est encore plus chaud parce qu'on n'a pas les indicatifs aussi nets là comme j'ai actuellement sur ma vue actuelle. Donc, faut chercher les endroits où se trouvent les la vitesse, l'altitude, etc. Ou alors, faut tout faire au feeling. Et c'est encore plus délicat. Non ! Ah, ça freine trop ! Oh, j'avais réussi ! Oh, j'avais réussi, je suis dégoûté. Ah, ça freine beaucoup trop. En fait, faut pas freiner tout de suite, en fait. Faut freiner vraiment après. Hein. Mais évidemment, pour pouvoir freiner après, il faut quand même un minimum de pistes pour s'arrêter. Ça a bien évolué, Flight of Nova. Ouais, frère, c'est vrai. En vue externe, ton handicap, c'est d'être trop haut. Ouais, ouais. Mais en vue interne, tu vois pas du tout. Tu poses tes roues, c'est encore plus chaud. Hein. Allez, je tente une dernière fois. Bon, ça fait 10 fois que je dis ça, mais bon. Vous me connaissez. Oh la vache, quoi. Extrêmement difficile ce défi. Hein. Mais on a réussi une fois. J'ai réussi une fois. Voilà, vous avez mon record à battre. Hein. Ça vous intéresse. Vous avez mon record à battre. Essayez de faire pareil. Au moins. Faut pas que je freine tout de suite. En tout cas, les freins fonctionnent bien, il n'y a pas de souci. Ok, ah, celle-là c'est la bonne. J'avais bien réussi à mettre mes trains vraiment au tout début. C'était bien positionné. Coupe tout. 500. Ah, mais trop de vitesse encore. Trop de vitesse, pourtant j'ai freiné. Hein. Putain, j'avais une super bonne approche là. Mais faut vraiment être en dessous de la vitesse de décrochage. Hein. Vraiment, faut être en dessous. Hein. Bon, je me suis pas crashé, je continue. Ok. Allez, on se reconcentre. On est parti. Hop. Allez, on va y arriver. Dernière tentative. Pour taux de descente, faut trouver d'autres paires. Non, mais je suis d'accord. C'est clair. C'est clair, Zark. J'étais à 220 de vitesse verticale, c'est pas possible quoi. Je suis bien d'accord. Là, c'est pareil, faut que je sois en dessous des 200, je suis à 330 là. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Non! Mais d'où? D'où j'ai touché? D'où j'ai touché? Absolument pas, je suis pas d'accord. Là, elle a pas touché. Oh, je suis dégoûté là.
Faut que je recommence. Je suis dégoûté. Non, non, je suis pas d'accord avec le jeu là. À quel moment j'ai touché le bord là? Non, j'étais bien sur la piste, hein. Ah non, je suis pas d'accord là. Non, non, je suis pas d'accord du tout. Il dit le train d'atterrissage. Oui, bah j'ai. L'aile n'a pas touché, si. Franchement, j'ai pas vu l'aile toucher, moi. Légèrement réduire les gaz. Quand on passe le paquebot là, ça me sert de point de repère, je sais qu'il faut que je commence à être dans le rouge. Pour avoir un taux de descente, là je suis à 180, c'est nickel ça. 170, 160, 150, voilà, c'est nickel ça. Ça qu'il faut. C'est ce taux de descente qu'il faut. Faut que je sois en dessous des 200. Pas évident. Non, trop loin. Oh, punaise. C'est un truc de malade, hein. J'ai trop d'énergie, hein. Pourtant, je suis vraiment, je suis à la limite du décrochage, mais j'ai encore trop d'énergie, quoi. Oh, c'est super dur, hein. J'aimerais bien réussir une seconde fois quoi. J'ai réussi une fois, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas une deuxième fois. On est d'accord. Ok, allez. Un petit virage. Voilà, je me recale. Hop. On commence à être dans le rouge. C'est bon, je suis au bon niveau. Descente encore trop important. Ouais, ça doit être ça, Zark. Alors, effectivement, ça doit être le train. Je suis arrivé trop vite. Trop vitesse verticale trop importante. Et du coup, ça a dû endommager le train, je pense que c'est ça. Là, je suis à 400, c'est pas possible. 500. Non, non, j'ai trop de vitesse. J'y arrive pas. 500. Et si j'ai pas assez de vitesse, j'ai peur de taper le bord, quoi. Alors, dans les vidéos, il montre pas hein, s'il a fait des essais avant. Juste en faisant des touchés décollés. Les poser, redécoller. Je sais pas si on voit des vidéos sur les essais qu'il a pu faire avant. Est-ce qu'il a fait des essais ou est-ce qu'il a réussi du premier coup? Ça, ouais, je me demande en fait parce qu'il s'est entraîné sur piste, on est d'accord, mais est-ce qu'il s'est aussi entraîné directement sur le helipad, le héliport? Je pense qu'il parle de la roulette. Ah, d'accord. C'est la roulette qui aurait cassé. C'est plus dangereux de taper le bord que d'avoir trop de vitesse. Ben non, parce qu'à chaque fois je freine et ça freine pas suffisamment.
Mais oui, je suis d'accord avec toi, techniquement, évidemment, il vaut mieux avoir plus de vitesse que de taper de bord, parce que évidemment là c'est mortel. Donc là je suis légèrement en dessous. On met du gaz pour empêcher le décrochage, voilà. Oh punaise! Non! Oh, je tape le bord avec l'aile, je suis dégoûté. Bon allez, j'arrête là parce que je sens que je fatigue là. On va passer à un autre défi. Oh la vache! Extrêmement difficile, hein. Ah oui, c'était donc un défi atterrissage. Bah tiens, on va continuer là-dedans. Dans les défis d'atterrissage, il y en a des super beaux, des super chouettes à faire. On va s'amuser. Alors, je vais peut-être reprendre. On va éviter les vents violents. On va tenter des défis au calme. Donc, sur des lieux célèbres déjà, ça va être sympa. On va essayer de voir. Parce que là, il y en a plein. Vous voyez, je suis encore en C là. J'en ai fait qu'un en A. Les autres sont en C. Ah, Sydney aussi. Ok. Bon là par contre ça va demander ouais, enfin bon c'est des moteurs à réaction. Allez, j'ai envie de le faire, on va faire Jackson. Allez, c'est parti. Donc évidemment le but, vous voyez ici là, c'est d'arriver à poser les trains dans la zone bleue. Et ensuite freiner suffisamment fort et normalement pour ne pas se crasher au bout de la piste. Donc le but vraiment c'est d'arriver à poser ces trains et sans se crasher à l'endroit qui est indiqué sur la piste. Et plus on arrivera à se poser là dans le carré bleu et s'arrêter le plus vite possible, et plus on marquera de points. Et là j'étais à combien? Link m'avait battu d'ailleurs sur ce défi. Rémi Pig aussi. Et moi, je suis en troisième position par rapport à ceux que je connais. Arpitan aussi, Shinji aussi, etc. etc. Ok. Bon, je suis pas dernier. C'est déjà ça. Allez. Bon, là, ça va être une approche différente parce qu'il va falloir gérer les volets et également les aérofreins. Mais ça va être super intéressant. Vous voyez, 130 nœuds pour avant d'entamer le virage à 110. Et pouvoir se poser en douceur sur cette magnifique piste de l'Alaska là. On est en plein milieu de l'Alaska, c'est magnifique cet endroit. Et c'est aussi beau que sur l'image. Dans le jeu, c'est aussi beau que sur l'image. Alors par contre, ouais, je vais faire au moins deux essais. On va faire un essai en vue externe, vue cockpit, et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Changement d'ambiance. Donc 130, 110. Ok. Voilà. Alors peut-être qu'il faut que je mette les AF. Je les sors. Voilà. Hop, vous voyez, je sors les AF. Pour passer à 130 pendant la descente. Et arriver au-dessus, au niveau de la rivière, on s'aligne. Donc là, je suis encore trop rapide. Malgré les AF. J'ai sorti les aérofreins. Peut-être mettre un cran de volet supplémentaire. Voilà, je mets un cran de volet supplémentaire. Voilà. Et là, il faut que je sois à 110 en alignement. Le taux de descente est beaucoup trop important. Je suis largement dans la vitesse d'atterrissage. Voilà, on va se réaligner. Voilà, c'est complètement différent la poussée d'avion à réaction. Le moteur à réaction, c'est complètement différent de l'hélice. Hein. Vraiment, c'est à une autre approche complètement différente. Voilà, c'est bon, j'ai la bonne vitesse. Je vais essayer de la conserver. Voilà, je suis à la limite du décrochage, là, faut pas que je décroche.
suis trop bas. Trop bas, trop lent. Je me concentre. On va couper les AF. Voilà. Ça va me permettre de reprendre légèrement de la vitesse, mais pas trop. Je fais du yo-yo, c'est pas bon. Je touche pas. Ok. Je freine. Bon, déjà, c'est une première approche, hein. Ouais, j'ai rien cassé, c'est le principal. Ok. J'ai fait 442, toujours niveau C, meilleur score 469. J'ai fait un petit peu moins que le score que j'avais fait précédemment. Mais bon, normal, hein, c'est la première fois. Voilà. Faut que j'arrive au moins à battre mon score. 442. Ok. Allez, on va essayer en vue cockpit. Donc là, qu'est-ce qui manque? Bah oui, forcément, précision d'atterrissage. Roulage au sol. Ah, il m'a pénalisé. Ah, parce qu'il faut vraiment être au centre. D'accord, il faut vraiment être au centre pour pouvoir avoir un maximum de points. Ok, merci pour ton follow, Big Panard. Sois le bienvenu à bord, même si ça secoue un peu. Attache ta ceinture. Allez, on recommence, mais cette fois, vue cockpit. Ok. Est-ce que je vais mieux appréhender l'arrivée sur la piste en vue cockpit? Je suis pas sûr. Allez, hop. Vue cockpit. Oh la vache, on n'y voit rien du tout. Hein. Ah, puis là, vas-y pour trouver les... Oh la vitesse. Où est-ce qu'elle est la vitesse là-dedans? Ah ouais, non mais en fait, je vois pas la vitesse. C'est chaud. Bon, je suppose qu'il faut que je mette les AF. Voilà. Je ne vois pas la vitesse. Où est-ce que se trouve la vitesse? Ça peut pas être indiqué en gros là? Ah si, c'est à gauche la vitesse, d'accord. Ouais, mais je la vois pas avec mes yeux de vieux là. 649, ok. Donc je suis beaucoup trop rapide. Malgré les AF, je suis beaucoup trop rapide. Bon, je vais essayer de conserver la piste en visuel. C'est le but, hein, normalement, faut... on devrait presque avoir un repère sur le pare-brise. Là, je suis à 140 nœuds, c'est beaucoup trop rapide. Ouais, c'est bien à gauche, je le vois là, c'est ici, je sais pas si vous voyez là, hop, c'est là. Mais, le problème... Comment vous... Ah, en vue cockpit, c'est affreux, hein. C'est horrible. Hein. Je ne vois pas la piste, quoi. Enfin, si, je la vois là, mais je suis en dessous de 500 pieds. J'arrive pas à savoir si je suis aligné. Il faudrait des repères sur le pare-brise. Sérieusement. Hein. Bon, on va se poser à l'aveugle, hein, parce que je vois pas du tout la... Si je vois la zone bleue, ça y est. Mais alors, à quel moment je la passe, j'en ai aucune idée. Je suis pas du tout centré. J'ai touché. Je freine. J'essaie de rattraper le centre de la piste pour marquer des points, mais on a vu que j'ai touché trop loin. On est d'accord. Bon, au moins j'arrive à me poser. C'est le principal. Mais j'étais beaucoup trop rapide. On est d'accord. Ouais, il faudrait que je zoome en fait. Je pense que tu prends de la vitesse parce que tu mets trop de descente. Bah, on est d'accord. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Avant que tes AF fassent effet. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais, du coup, j'ai fait encore moins. Bon, je réessaye en vue. On va faire trois essais à chaque fois. Je vais essayer de voir si je peux y... Ouais, roulage au sol. Hé,
J'ai été moins sanctionné sur la descente. Hein. Donc j'ai tapé sans doute plus près. On peut pas voir, on n'a pas de replay. En vue externe, ce serait bien de pouvoir voir ça. Bon, atterrissage dans la douceur. Ouais, il faudrait que je sois en dessous des 200 FPM pour vraiment avoir un maximum de points. Ce qui n'était pas le cas. Mais le roulage au sol, bah j'étais pas droit. Ok, bon, on va essayer de redémarrer. On va refaire un troisième essai, mais cette fois en vue externe. Vous avez le paysage comme il est magnifique, franchement. Allez, on est parti. Donc je reviens en vue. Voilà, hop, je mets les AF. Donc là, en descente, on va laisser couler. Voilà, faut que je sois à 130 nœuds. Et on laisse couler. Je sais pas quel est le taux de descente qu'il faudrait que j'aie. Je suis à presque 2000, c'est beaucoup trop. Allez, j'entame mon virage pour être dans l'axe. Je réduis mes gaz. Il ne faudrait pas que je sois au-dessus de 500, hein. Ouais, au niveau de la vitesse verticale. C'est ça qui me pénalise en fait. Et il faudrait que je sois à 110. Je réduis encore mes gaz. Peut-être descendre trop important. Malgré les AF, j'ai trop. Alors, je vais mettre un cran de volet supplémentaire. Voilà. J'ai beaucoup trop de vitesse encore. Vous vous rendez compte, je dois être à 110 là. Ah mais j'y suis presque. J'y suis presque. Alors maintenant on va essayer de réduire le taux de descente. Voilà, je suis en dessous de 500 pieds. Alors j'arrive pas à faire en sorte de ne pas avoir un taux de descente trop rapide. Du coup je passe au-dessus. Oh j'ai tapé dedans. Bon, par contre le rebond, ça va me pénaliser un max. Ça va me pénaliser un max. Allez, j'ai voulu absolument taper dans la zone bleue. C'est pas bon, je vais me faire pénaliser un maximum. Ok, oh là, 59 000, la honte. Bon, le taux de descente était pas mal, hein. Mais enfin, non, j'ai tapé dans la pression, ouais, j'ai tapé dans le carré, mais bah, le rebond voilà, m'a pénalisé forcément. Roulage au sol, zéro. Enfin, 562 et douceur d'atterrissage. Regardez ça, le taux de descente que j'avais de fou, c'est pas possible. Ouais, c'est pas évident du tout, hein. Allez, on va faire un autre défi. Vraiment, j'ai du mal, hein. L'avion en action, j'ai vraiment du mal. Hein. J'ai toujours eu du mal de toute façon. J'y arrive mieux en hélice. Hein. Alors, justement, en hélice, bah, tiens, on va alterner. On va aller faire un petit défi à Nice, en France. J'aime bien cet aéroport. J'aime bien l'approche qu'on a. J'avais combien en points? J'étais placé 940 points, d'accord. 940 000 points. TJ, c'est TJ qui a battu le record là, 1335. La vache. Ezark, tu me disais, je pense qu'il faut compter sur le taux de descente naturel. Ouais, mais alors si je fais ça, j'atterris au milieu de la piste. Hein, et pas du tout dans le carré bleu. Hein. C'est pour ça que j'essaie de réduire ma vitesse au maximum tout en essayant de continuer de planer. Mais voilà. Le problème, c'est que ça me faisait faire des embardées. On est d'accord. On est d'accord. Ça m'obligeait à faire des embardées. Je suis tout à fait d'accord, Zark. Mais voilà, le taux de descente, pour pouvoir l'avoir de manière naturelle,
effectivement, il faut commencer à descendre de super loin, quoi. Et ça, c'est pas évident pour arriver à garder la piste en visuel et la garder centrée, quoi. Vraiment pas évident. Bref, j'ai du progrès à faire. Allez, voyons voir. Est-ce que je vais réussir? Alors, 90 nœuds, 79 nœuds en vitesse finale. Ok, en sachant que j'ai un vent de travers en arrivant. Allez, quand tu veux, tu me charges la piste. Ok, allez, c'est parti. Donc, vue cockpit, vue externe d'abord. Ok. Bon, l'aéroport est là-bas. Donc là, j'essaie de descendre naturellement. Je descends beaucoup trop rapidement de manière naturelle. Faut quand même compenser un minimum. Hein. Ou alors, je vais mettre un troisième cran de volée. Voilà, ça fait bien chuter. Je vais m'aligner au dernier moment. Voilà, 79 pour l'atterrissage, on est à la limite du décrochage. On va sortir les trains. Parce que là, ils sont pas sortis. Il n'y a pas d'aérofrein hein, sur cet appareil. Je vais reprendre légèrement l'altitude parce que je suis descendu beaucoup trop vite, comme d'habitude. C'est la gauche ou la droite? C'est la grande ou la petite? Je vois pas le carré bleu. J'ai pas fait gaffe sur le. J'ai pas du tout fait attention. Je pense que c'est la petite. Hein. Bon, je m'aligne avec la petite. Où est-ce que vous voyez le carré bleu? Non, il est sur la droite. Non. J'arrive pas à voir où se trouve le carré bleu. Ouais, c'est ça. C'est sur la piste droite. J'ai un crash, oh, j'ai eu un méchant lag. Ok. Donc là on arrive face au vent. Ah, rebond, pas bon. Rebond, pas bon. Et on freine. Ok. Bon, au moins je me crache pas. À droite, on va à l'animation. Ouais, c'est sans doute ça. Ouais. Ok. J'ai fait 500 000 contre 940 000. Ok. Bon. Le problème, c'est le rebond. Hein. C'est ça qui m'a pénalisé. Je suis trop pressé d'arriver dans la zone bleue, du coup voilà, je devrais peut-être pas essayer de viser la zone bleue en fait. Ou alors essayer d'atterrir juste avant. Enfin bref, il faudrait pas que je me focalise là-dessus parce que c'est ça qui me fait perdre des points. Du coup, je veux y arriver trop vite et j'ai une vitesse de descente qui est trop importante. 22 sur la piste sud-ouest, c'est donc le matin. Oui, absolument, je confirme. Allez, on redémarre vue cockpit. On va essayer. Normalement, j'ai plus de visibilité dans ces appareils. Enfin, je sens mieux. Instinctivement, tu sens mieux la comment, déjà le taux de descente.
Donc pas besoin de l'avoir en visuel. Hop. Voilà. Vue cockpit. Je vais sortir les trains, ça va me ralentir un poil. Quand je serai en amorce de virage, je sortirai les trois volets, trois crans de volets. Ça m'étonne que ce soit le matin quand même, c'est mal orienté, enfin je sais pas, le soleil est dans le dos. C'est quand même bizarre, non? C'est bizarre d'avoir le soleil dans le dos. Comment s'est orienté Nice? La baie, elle est face à quoi? Au sud? C'est pas logique que ce soit l'est ici. C'est plutôt le soir, non? J'ai plus l'impression que c'est le soir. Allez, je sors un troisième cran de volée. Hop. Voilà, j'essaie de m'aligner. Hop. Je suis trop bas, beaucoup trop bas. Je vais à la pêche là. Hop. Du coup, je voyais plus la piste, forcément. Là, je navigue pas à l'ILS, hein, donc. Oh là, regardez ça. Je suis pas du tout axé sur la piste parce que je la vois plus. Je sais pas où elle est. Si, je la vois là. Ok. Je la vois sur le radar, enfin sur le. Oh putain, je suis complètement à côté. Complètement à côté. En vue cockpit, c'est tendu, hein. Pour être hyper précis, c'est super tendu, hein. Là, je suis même pas sur la piste. Ok, j'atterris, je suis même pas sur la piste. Zéro pointé. Zéro pointé. On est d'accord que j'ai même pas atteint la zone bleue. Hein. Je sais pas où elle est la zone bleue, mais je crois que je suis même pas dessus. Hein. J'ai fait n'importe quoi. J'essaie de me repérer à l'écran, mais non, c'est pas bon du tout. Hein. La vache, ils m'ont pas sanctionné, j'y crois pas. J'ai fait 483 000 sans déconner. Je pensais que j'allais faire 50 ou 20. Je pensais pas que j'allais faire autant. Hein. Ça a pas l'air d'être le soir, 22, c'est proche de 225 degrés. Ouais, on est d'accord, hein, à 45 degrés au sud. Ah ouais, t'as peut-être raison, c'est peut-être l'est alors. J'arrive pas à savoir comment s'est orientée Nice. La baie, elle est vraiment orientée côté est. Donc le soleil dans le dos, d'accord. Ah, c'est curieux, je pensais que c'était vraiment côté sud. D'accord, ok. Allez, je fais un troisième essai, mais cette fois on va repasser en vue normale. Enfin, en vue normale, en vue externe. Ouais, forcément, roulage au sol, j'ai eu 1. J'ai pas eu 0, ils sont gentils. Moi, je me serais mis 0. Hein. Ok. Allez. Allez, on va faire une belle approche là. C'est parti. Et surtout, j'essaie de faire ça centré. Ouais, la lisibilité des instruments, c'est pas mon fort en vue cockpit. Hein. Quoique, je serais bien tenté de refaire une vue cockpit. Ou alors une vue externe au dernier moment. Pourquoi pas. Allez, je sors les trains. Je suis dans la zone blanche. On réduit la vitesse. C'est pas toute la baie. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, d'accord. C'est juste la partie aéroport là. Et merci pour ton follow des Flora Denis. Salut à toi. Vue intérieure, tu peux monter la hauteur du siège. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Mais là, vu qu'en défi, on te lance tout de suite, je vais pas pensé à le faire. Je vais peut-être rester qu'avec deux crans de volée. Parce que j'ai l'impression qu'avec trois, j'ai vraiment du mal à maintenir l'appareil à l'altitude que je veux. Allez, on fait un virage en douceur. Voilà, moins de 500 pieds, c'est bon. En plus, je joue avec le trackier là, donc je pourrais faire ça pour bien voir. Voilà, me rehausser mon propre siège. Le trackier fonctionne bien à ce niveau-là. Ah, ils me disent d'être en dessous de 100 nœuds sur la descente là, mais ça fout les jetons. Que je vais décrocher à tout instant. Enfin non, je suis pas dans la zone rouge, ça devrait pas. Allez, je fais l'approche finale en vue externe pour être sûr. Ouais, je vais mettre trois crans. Trois crans de volée. Voilà, comme ça fait réduire naturellement ma vitesse. Il faut absolument que j'ai un taux de descente au moment où je touche où je touche le sol qui soit le plus bas possible. Voilà, là on n'est pas trop mal. Évidemment, je vise le carré, hein, carré bleu. Donc j'attends, j'attends, j'attends. Je coupe. Ouais, c'est pas si mal. Bon, par contre, là, je fais le serpent sur la piste. Je vais me faire sanctionner à ce niveau-là. C'est pas si mal, là. Là, on a plutôt bien réussi. Ok. Ouais, 803 000. Bon. Alors, j'ai pas battu mon record, hein, qui était de 940 000. Donc, j'ai fait mieux, hein. Mais c'est pas si mal. Bon, je vais essayer un samedi sur deux d'alterner avec DCS World. Donc, on va se retrouver comme ça un petit peu plus souvent sur Microsoft Flight Simulator parce que ça m'embêtait de ne pas pouvoir faire plus de sessions dessus. Donc, je vais réserver un samedi sur deux pour faire du Flight Simulator et comme ça on pourra s'améliorer. Allez, je poursuis. On va faire un dernier défi avant que je sois obligé de couper. À midi 30, normalement, je coupe. Donc là, on va faire à nouveau un avion en réaction. J'ai un niveau C quelque part, non, à part Jackson, mais je vais pas le refaire. Qu'est-ce qu'on ferait en avion en réaction? Qu'est-ce qui vous tente? New York, Quito en Équateur, Rio de Janeiro, Sydney, j'ai déjà fait, ou à la limite Toronto en avion à hélice. Qu'est-ce qui serait bien? C'est étonnant que j'ai réussi à faire A ici, ça doit être il doit être super compliqué à faire, tu vois. Il est dans les montagnes, je pense. Ça va pas être simple. Qu'est-ce que je fais? Avion à hélice, avec deux hélices, en Équateur, au Rio de Janeiro. Où est-ce que je vous emmène? Allez, c'est vous qui décidez. Alors je peux quand même jeter un petit coup d'œil à Quito. Quito, c'est cette piste-là. D'accord, c'est sympa. J'aime bien le décor. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais dit Rio de Janeiro. D'accord. L'approche a l'air assez simple. New York. Ouais, c'est au bord de la baie, ok. Et Sydney, j'ai déjà fait Toronto. Enfin, je peux meilleur mon score, évidemment. Toronto, ah oui, ah, c'est intéressant ça aussi. Bon, je partirai bien sur Quito si ça vous tente. En Équateur. Hop, on essaye ça. Allez, j'avais fait combien? J'avais fait 875 000. Toujours Link devant moi. Putain aussi. Bon. Allez, on essaye. Donc là, gestion de deux turbines.
à hélice, enfin deux moteurs à hélice, je veux dire. Il faut que j'arrive à 130 puis 105. Ok, 130 puis 105 à peu près. Hein. Faut que je me fie à ça, en sachant qu'on a un vent de face en face finale à deux nœuds, quasi face, légèrement de travers droite. Donc bon, ça devrait le faire. Donc là, pareil, on va faire une première approche vue externe pour pouvoir bien avoir des points de repère. Hop. Ok. Il n'y a pas d'AF? Ah, il n'y a pas d'aérofrein. Ok. Les trains sont déjà sortis. Je peux mettre un troisième cran de volée. Je vais attendre d'être en face à la piste. On voit la piste là-bas au fond. C'est bizarre ce qu'il me demande. Attendez, j'arrive pas à savoir si la piste. Si c'est bien ça, c'est bien à gauche, on est d'accord. J'ai un doute, si c'est bon, je vois le marqueur. Ok. Je vais mettre un troisième cran de volée. Je réduis mes gaz au minimum. Voilà, je m'aligne. C'est magnifique. La région est splendide. Hein. C'est au Chili. Hein. Non? Non. En Équateur, j'ai dit. En Équateur. Ok, il faut que j'atterrisse ici, ici. Très bien. Le taux de descente, il est un poil bas. Enfin, la vitesse est un poil basse. Voilà. Hop. Mais le taux de descente, il est génial. Si je pouvais le conserver, ce serait parfait. Si je pouvais le conserver jusqu'au bout. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a les arbres pour se repérer. C'est très bien ça. Je n'arrive pas à être au centre. Ah, je loupe. Ok, mais au moins. Voilà, je n'ai pas. Je n'ai pas rebondi, c'est le principal. Bon, après, le but, qu'on soit au centre ou pas, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de rester droit au roulage. 431 000. Oh la vache, je suis loin de mon score. Oh je suis loin de mon score à 875 000. Ok. Bon, on essaye une vue cockpit. Voir si ça change quelque chose. Mais je suis loin là. J'ai été sanctionné pour roulage au sol. Bah ouais, j'ai zigzagué. Donc ça, il n'aime pas du tout. Ouais, si, quand même, je pense que ça compte, hein, la ligne centrale. Hein. Si, si, il faut quand même que je sois bien au centre. Hein. Ok. Précision d'atterrissage, 3300. C'est pas si mal. Hein. Salut, Wistiti. Bienvenue. Douceur d'atterrissage, bah, 417. Hein. J'étais pourtant à 30 en descente, mais voilà, le fait de vouloir absolument viser le carré, bah, j'ai perdu des points à ce niveau-là. Et encore, j'ai tapé à côté, donc c'est pour vous dire. Parce que je voulais absolument arriver dedans. Donc au niveau, quand on arrive au niveau des arbres, là, il faut vraiment être au plus près de la piste. Hein. Si on veut être sûr d'avoir un taux de descente encore plus bas pour toucher dans le carré. J'adore ces défis, ils sont vraiment trop bien. Allez, démarrons le vol. Hop. Donc 105 nœuds en descente en finale. C'est ça qu'il faut que je fasse attention. Mais bon, pour essayer d'avoir absolument un taux de descente qui soit. T'as coupé les gaz, tu me dis, passer le seuil de piste. Non, je les ai coupés légèrement plus loin. Mais c'est pareil, même avec trois crans de volée, j'avais du mal à maintenir l'appareil pour pas qu'il ait un taux de descente trop important. C'est super compliqué. Ou alors, faudrait peut-être que j'utilise les trims. Faire une descente au trim. Alors, j'ai dit qu'on partait dans le cockpit. Voilà. Hop. Alors, je vais me mettre au plus haut. Heureusement que j'ai mon trachière. Voilà. Hop. Je me mets au plus haut. Donc, on va essayer de s'aligner. Je réduis mes gaz.
Je vais me sortir un cran de volée supplémentaire. Je suis à 3 crans de volée. Vous voyez les arbres là-bas, c'est juste au bout de la piste. C'est eux que je vise. Là, je suis à encore 100, j'arrive pas à lire, 100, 105 nœuds. Voilà, 105 nœuds, c'est la vitesse qu'il faudrait que j'aie en descente là. Et je suis encore super haut, hein, je trouve. Du coup, j'ai un taux de descente, j'arrive pas à le voir. Il faudrait que j'arrive à zoomer, j'arrive pas à le voir. En vue cockpit, forcément, je perds mes repères au niveau. Ouais, il faudrait que je puisse zoomer, quoi, plus sur le cockpit. Je suis légèrement de travers. Hop. Ah, déjà là, voilà, je devrais être largement en dessous là. Je devrais être à 200 voire 150 pieds au-dessus des arbres là. Mon taux de descente là, il est beaucoup trop important. Beaucoup trop important. Et j'arrive pas à le gérer. Donc du coup je vais taper super loin, ou alors il faut que je fasse un arrondi, voilà comme ça. Ouais. Et forcément il décroche. Oh j'ai tapé dedans. J'ai tapé dedans, incroyable. Mais à mon avis j'ai tapé fort. Et je suis au milieu de la piste, incroyable. Incroyable. Là je m'en sens presque mieux en vue cockpit là. Ok, 535 000. Ouais, forcément, j'ai pas fait les 900 000 que j'avais fait avant. 875 plutôt. Parce que, sans doute, le taux de descente était trop important. Ouais, 801, oh la vache. Ouais, 801, vous vous rendez compte? Je devrais être en dessous des... Moi, je vise les 200, quoi. En dessous 200, minimum, vraiment minimum, quoi. Enfin, maximum, je veux dire. Et minimum, il faudrait que je sois entre 50 et, enfin, entre 30 et 50, quoi. Donc là, j'ai été énormément sanctionné à cause de ça. Douceur de l'atterrissage. Ok. Allez, on se le refait en vue externe. Et on va essayer d'appliquer. Mais je me suis plutôt pas mal débrouillé en descente, finalement. En vue cockpit. C'était pas si mal. Allez, dernier essai. Comment tu gères ton taux de descente? Eh ben, il faut voir ta vitesse verticale en fait. C'est la vitesse verticale qu'il faut surveiller. Et donc il faut essayer de descendre de manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire ne pas piquer, tout simplement. Ne pas piquer. Voilà, la vitesse verticale, elle apparaît là. Ici là, je te montre avec la flèche. Donc c'est ça qu'il faut que je gère de manière la plus douce possible. Donc en négatif, il faut que ce soit moins quelque chose. Là, tu vois, par exemple, je suis à moins 400 et idéalement, il faudrait que je sois entre 50 et 100. Quoi. Oui, je sais, mais sur quoi agis-tu, gaz ou manche? Le manche, pour essayer de faire un arrondi, si tu veux. Et puis, hop, là, par exemple, je vais mettre un troisième cran de volée. Ça va me faire planer plus. Du coup, ça va me faire un taux de descente qui va être moins violent. Hop, tu vois, là, ça me fait même remonter. Voilà, je réduis mes gaz. J'agis là-dessus, en fait, sur les volets et avec le manche. Idéalement, on devrait faire ça au trim, hein, avec les compensateurs, quoi. Mais je suis pas familier des compensateurs, hein, j'ai un peu de mal. Et sinon, avec les gaz, je suis d'accord, tout à fait. Avec les gaz. Bah, c'est un mélange, hein, je fais avec tout. Hein. Bah voilà, tu n'as pas fait les cours. Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je fais aussi avec les gaz, hein, t'inquiète pas. Voilà, je suis bien aligné. Voilà. Allez, l'arrondi. Là, on va remettre un poil de gaz. Hop. Je suis pas au centre. Voilà. Ah, je vais pas toucher dedans, mais bon, tant pis. Voilà, là j'avais le beau taux de descente. Là. J'étais à moins de 100. J'étais à moins de 100, c'était plutôt pas mal.
C'était plutôt pas mal. Ok. Ouais, 620 000. J'ai fait mieux, forcément. Bah, c'est mon meilleur score du coup. Bon, bah de C, je passe à B. Ah non, du coup, j'ai fait moins. J'étais déjà en B alors. Ok, 875 000, j'étais encore en B. Bon, j'ai fait un peu moins, mais bon, voilà, c'est. Tu dois mettre les volets et gérer avec les gaz. C'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais, WeCity. Mais je devrais le faire plus tôt, je pense. C'est ça qui ferait sans doute la différence. Je le fais trop tard. Du coup, je dois compenser l'altitude en piquant et je devrais pas, quoi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, je me ferais bien un dernier petit défi là. Un dernier petit défi. Hop, sur le lieu célèbre. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire avec un gros porteur? Bah, Rio de Janeiro. Allez, je vous emmène à Rio pour la fin de ce stream. Hop. Donc on va essayer d'avoir un taux de descente moins violent beaucoup plus tôt. On va essayer. Et donc du coup, on va essayer de gérer les gaz de cette manière. Ok, donc là, 160 nœuds plus 140 en finale. Ouais, plutôt, si t'es trop bas. Si t'es trop bas, tu peux pas gérer. Si t'es trop lourd. Si t'es trop haut, c'est impossible de rattraper. Car si tu piques avec le manche, tu prends la vitesse. On est tout à fait d'accord. C'est bien le problème que j'ai là. Trop bas, je peux gérer, d'accord. Trop bas, je peux gérer. Ouais, après, c'est un problème de visibilité, mais bon. Savoir exactement où se trouve le carré pour taper les roues dedans, c'est pas évident, quoi. Si t'es trop bas, tu le vois plus, quoi. Alors, je fais une vue, un essai en externe. Attendez. Je dois atterrir où, là? Elle est où, la piste? C'est pas celle-là? Ah non, c'est pas celle-là. Où est-ce qu'il m'envoie, là? Non, elle est en face, la piste. Elle est où, là-bas? Je ne sais pas où est la piste. Si, je la vois, ça y est, ok. Effectivement. Donc là, par contre, il y a bien des AF. Hein. On va les mettre. Voilà. J'essaie de rester à l'horizontale le plus possible. Hein. Vous le voyez justement avec le taux de descente. Mais pas trop, voilà. Hop, on va s'aligner. Je perds pas assez d'altitude, en fait. Je ne perds pas assez d'altitude. Il faut raisonner l'inverse. Manche égale gestion de vitesse et gaz égale gestion de l'altitude. Absolument. C'est bien comme ça qu'il faut raisonner. Je suis tout à fait d'accord. Donc là, je réduis les gaz pour réduire mon altitude. Du coup, vous voyez le taux de descente qui augmente. Ok. Donc là, je peux rentrer les AF parce que je suis à la limite du décrochage. Ok. J'arrive pas à voir où il faut aller en fait. C'est vraiment là qu'il faut atterrir? Après, quand tu connais pas l'avion, c'est normal de se planter. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça qui est drôle aussi avec les défis d'atterrissage, c'est que tu n'as que tes notions de pilotage de base qui te servent en fait. Parce qu'évidemment, quand tu connais pas l'appareil, ouais, tu peux pas savoir exactement comment il réagit. Donc, bah, c'est ton instinct qui revient là. C'est vraiment cette piste là? Je vois pas de. C'est bizarre. Je comprends pas où il me fait atterrir en fait. C'est pas la bonne piste, on est d'accord? Je comprends pas là. C'est vraiment la bonne piste? Bizarre. Si, ça a l'air. Hein. Ok, c'est juste que je vois pas le carré. Ah, si, il est juste au bord, d'accord. Ça va être tendu.
500. 400. Ok. 300. 200. J'arrive pas à centrer le centre de la piste. C'est un gros bébé, hein. Il faut arriver à poser, hein. Je suis légèrement de travers. 60, 50, 40, 30, 20, retire. Ok. J'étais beaucoup trop rapide. Ok, je touche le nez. Enfin, j'étais pas rapide. J'avais encore le taux de descente qui était beaucoup trop élevé. Ok. Bon, 103, évidemment, hein. J'ai fait 624, j'ai fait bien mieux, hein, mais c'était il y a un petit moment, donc il faudrait que je m'y remette et que je refasse des entraînements, mais je trouve pas le temps. Enfin bref. Ok, bon, c'était pas si mal. On va essayer en vue cockpit. Hop. Et salut Rod. Hello, à toi, tu dois être aux anges avec Surfly Simulator 2020 avec ta nouvelle config. Mais complètement, hein, complètement, c'est un vrai plaisir, Rod. Un vrai plaisir, un vrai plaisir. Ok, allez, j'essaye en vue donc cockpit. Donc vous voyez, hein, roulage au sol, ils m'ont sanctionné parce que j'ai pas tapé dans le carré, forcément. Mais j'étais quand même plutôt droit, hein, mine de rien. Douceur à l'atterrissage, regardez ça, ce taux de descente de malade. C'est pas possible, j'arrive pas à gérer ça. Hein. Vraiment, j'y arrive pas, il faut que je m'entraîne. Hein. J'arrive pas à le gérer, le taux de descente. Allez, j'essaye une dernière fois, hop. Et puis on va s'arrêter ici. Ouais, 140 nœuds, moi je veux bien, hein, 140 nœuds de taux de descente, mais enfin de vitesse pour la descente. Mais à ce moment-là, je tape loin, quoi. Je vais taper au milieu de la piste. Hein. Bref. Et sinon, demande d'aller d'élite, sympa. Ouais, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. On essaiera de voir ça demain, justement. Enfin, je pense pas pouvoir le tester moi-même, mais on va voir un petit peu ce qu'il en est. J'essaierai de faire le point demain. Demain matin. Allez, donc là, il faut réduire 150. Hop. Je mets les AF. Ok. Je coupe mes AF. Je mets un cran de volet supplémentaire. J'amorce mon virage. Ouais, il est 10 pour en octobre, ok, d'accord. Mais c'est, je voulais faire un point niveau info, quoi. Enfin, si j'ai le temps de chercher les infos d'ici là. Ok. Allez, il faut descendre. J'essaie de rester à plat du coup, mais il a du mal à descendre. Hein. Ouais, j'ai déjà vu, Rod, que les AG étaient moins contraignants à faire. J'ai déjà fait une session dessus où je montre justement. C'est juste que j'ai pas eu le temps de la mettre en replay, mais j'en avais déjà fait une. Que je me suis racheté un nouvel appareil, un nouveau vaisseau sur Elite pour faire du combat targoïde. J'ai pas encore eu le temps de vous mettre le replay. Ok, bon, je suis pas si mal là. Si je pouvais rester comme ça, le taux de descente, je suis à 125, enfin non, 120 nœuds, donc c'est normalement pas assez rapide, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir descendre. Ouais, le trim est en auto, ouais. Par défaut il est en auto, donc là j'essaie vraiment de rester à plat le plus possible. Heureusement que j'ai dit que je faisais une vue cockpit, hein. J'ai complètement oublié. Est-ce que je vais réussir à atterrir en vue cockpit? Donc là évidemment je perds les données,
Bon, je suis à 122, ça j'arrive à le voir. Le taux de descente, je le vois plus du tout. 500. Ah, il me faudrait une aide supplémentaire. Il me faudrait vraiment une aide supplémentaire pour pouvoir, comment dire, avoir les données, taux de descente et tout. Parce que là, visuellement, je ne vois pas le cockpit. Je vois pas suffisamment comme il faut là pour voir le taux de descente et tout ça là. Ah, tu penses que c'est le trim qui me fait merder? Ouais, c'est possible. Ah, regarde ça. Je vais faire coucou à la tour de contrôle. Et puis je vais repartir. Je suis 300. beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup trop haut. Donc là, j'essaie de 200. compenser au trim, au manche évidemment, mais du coup, 100. ça me 650, décentre. 40, 30, 20. Retard. Ok, donc c'est pas bon du tout. Regardez, regardez le rebond. Oh la vache, je suis reparti dans les étoiles. Ok, je suis pas centré. Bon, j'ai pas crashé l'appareil, hein, mais c'était merdique, hein. Vraiment merdique. Je perds complètement mes repères, hein, quand je suis, hein, dans le cockpit, c'est complètement différent. Et je dois sentir le taux de descente au jugé, donc c'est pas évident. Mais on n'est pas mort. On n'est pas mort. Je ne parle pas de politique, Rod. Donc moi, ça détend pas l'atmosphère du tout. 86, la vache. Mon plus bas score. J'ai jamais fait plus bas. Allez, pour le plaisir, on va se refaire une dernière descente en vue externe. Parce que vu cockpit, vraiment, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Oh la vache, comment je me suis fait sanctionner? J'ai eu zéro partout. J'ai aussi la vue cockpit 2D. C'est vrai que j'ai jamais essayé. Je l'ai jamais essayé. Je sais même pas comment on fait pour l'activer. Il faudrait que je regarde. Là, je ne sais pas. Mais effectivement, je sais, et ça m'aiderait sans doute, hein. Ça m'aiderait beaucoup. Ouais, c'est beaucoup plus lisible, on est d'accord. Parce que là, avec mes yeux de presbyte, j'ai un peu de mal, quoi. Surtout avec le trachéaire, là. Je vais essayer de rester comme ça plutôt. Voilà, je flirte avec la zone de décrochage. Je vais peut-être moins galérer comme ça. Ça me permettra de descendre. Donc là, il ne veut pas descendre. Il reste à 2500 pieds. Il ne veut pas du tout descendre. Je ne vais pas mettre un cran de volée supplémentaire parce que sinon, il ne descendra jamais. Non, faut que je coupe les réacteurs là pour vraiment descendre. Voilà, mais pas trop. Faut, voilà, faut faire le, on va, je vais gérer comme ça. T'as combien de volets là? Je suis qu'à 2 crans là. Je suis qu'à 2 crans, mais t'as vu mon AOA comment il est haut là? Le défi, il te lance avec 2 crans de volée. Hein. Ou 3. Enfin bref. T'es à middle, quoi. Non, j'arrive pas à descendre. C'est plus un Cessna là. Qu'on pilote. Ouais, il est beaucoup trop haut, on est d'accord. Hein. Mais je pense qu'ils mettent le défi exprès super haut pour que tu aies le temps de réagir. Il te lâche super haut. Mais du coup, voilà, je suis obligé de compenser. C'est pas évident, hein. Voilà, je suis obligé d'y aller aux manches, hein, j'ai pas le choix. Donc, du coup, je réduis les gaz au minimum pour pouvoir descendre sans prendre trop de vitesse. Ah, la puissance de ces engins sont très chauds. C'est clair que c'est très délicat à manipuler. Je suis tout à fait d'accord. Il faudrait que je sois à 500 pieds là. 1000. Ok. On va mettre les AF. Parce que là, je suis beaucoup trop rapide. Voilà, ça va casser un peu ma vitesse.
et ça va me permettre 400. de réajuster. Voilà, c'est bon. 300. Je réajuste, hop, j'enlève les AF. 200. Et du coup, je suis trop bas. On va remonter légèrement. On va remonter. Décroche pas. Je vais légèrement dévier sur ma gauche. J'essaie vraiment de viser le carré, hein, mais c'est pas évident. Hein. Voilà. Là, j'ai la bonne approche. Voyons voir. 100. En planage, là. Ça me paraît pas si 60, mal, hein. 40, 30, 20, retard. Pff, non, j'étais à 200. Hein. J'étais à 200. Hein. J'essayais de voir si je pouvais diminuer au maximum mon taux de descente, mais non. Hein. Au bout d'un moment, t'es obligé de rattraper. Hein. Donc, du coup, j'ai pas tapé dans le carré, donc j'ai dû faire encore un score pourri. Ouais, 3200, la vache. Je me fais vachement sanctionner. Hein. Ouais, à cause de ça, regardez ça. Alors que j'étais à moins de 200 au moment de taper et j'aurais pas dû couper les gaz aussitôt, je pense. Oh, un, je me suis tapé un. Je pense que non, j'étais pas forcément trop vite, mais j'avais un taux de descente qui était beaucoup trop important, plus de volées dès le départ. Alors le problème, c'est que si je mets trop de volées, enfin si je mets plus de volées, je vais taper la piste au milieu, quoi. Ah, c'est difficile de trouver l'équilibre. Bref. Bon, vous voyez, j'ai encore du boulot. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Normalement, je vous retrouve demain matin. J'essaierai d'être là à 9h, ou en tout cas aux environs, pour faire du Elite Dangerous. J'espère pouvoir me libérer, en tout cas. Je vais faire ce qu'il faut. Donc, on se retrouve demain, de toute façon, sur la chaîne Twitch pour faire du Elite. Et puis, moi, comme ça, j'aurai 2 semaines pour m'entraîner sur... sur Microsoft Flight Simulator pour faire des choses plus intéressantes dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, samedi prochain, ce sera du DCS World que l'on fera. Voilà, en P51D. Voilà, merci encore à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite un bon appétit, un bon week-end si on ne se revoit pas d'ici là. Et puis, bah faites attention à vous. Merci encore à tous, c'était cool. Ciao tout le monde. Ah, attendez. Juste, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un chez qui vous envoyez. Laissez-moi voir ça. Qui est-ce qui est là en ce moment? Est-ce que je connais du monde chez qui vous envoyez? Ouais, je vais vous envoyer chez Eki qui fait du Elite Dangerous, justement. Allez, c'est parti. Je vous envoie chez Eki. Hop. Enfin, je dis ça. Est-ce que je peux au moins? Oui, normalement. Lancer un raid. Hop. Voilà, c'est parti. Je lance le raid. Merci encore à tous. Et ciao tout le monde.